bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2. Et non, pas du tout. Qui l'aurait cru qu'on reviendrait dans ce commissariat? Eh ben pas moi en tout cas. Donc c'est parti, nous sommes de retour juste avant l'arrivée de notre ami Leon S. Kennedy dans ce comico. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir évidemment. Partagez cette vidéo. Et normalement, oh normalement, il n'y aura plus d'images entre guillemets qui pixelisent durant un épisode. Avant, il y avait une ou deux images qui pixelisaient. Là, normalement, ça devrait être bon. Alors, niveau inventaire, on est pas mal. Par contre, j'ai déjà les armes, donc à mon avis, on risque de rester pas mal de temps dans ce commissariat, si vous voulez mon humble avis. Et si vous ne le voulez pas, bon bah tant pis. En tout cas, quel plaisir! Quel plaisir de revenir dans ce commissariat, les gars, c'est Resident Evil 2. Ah bah, ils sont pas fait chier pour le coup, hein. Ils avaient déjà une map de fête. Très bien, donc, on doit... Oh, Sugoi, qu'est-ce qu'on a là? Peut-être ça, non? Je sais pas. Ça passe totalement. Ben oui, messieurs, dames, ça passe. Note relative au badge. 16 septembre 1998, chaque membre de nos forces s'est vu délivrer un badge. À partir de maintenant, ce badge sera requis pour l'accès aux mallettes de sécurité. Il est interdit de prêter votre badge. Toute perte doit également être signalée sans attendre. Tu as bien saisi le truc. Donc là, normalement, il n'y a pas Mister X. Hein. Ça devrait le faire. Ah putain, bah oui. Putain, c'était quoi ce truc? Ah oui. Ah ouais, mais il n'y a pas Mister X, mais il y a les liqueurs. Ok, attendez. On va peut-être fouiller, parce qu'on doit aller là, d'accord? C'est notre quête. Mais pourquoi pas les fouiller ailleurs, finalement, quand on y pense? Il y a peut-être des petits trucs assez intéressants à gauche, à droite. Keep out. Ok, ben, vous voulez pas que je rentre pas. Donc, là, c'était un classique. On va juste aller faire l'étage. Qu'à l'étage, il y a forcément quelque chose. Il y a toujours eu quelque chose à l'étage d'un commissariat, surtout avec Leon. Ah, les liqueurs, quel enfer! Quel enfer! C'est ceux qui me faisaient limite le plus flipper. Ah! Dites-moi si vraiment dans l'original, on revenait aussi au commissariat. Je veux tout savoir. Parce que là, en tout cas, quel plaisir. Et je vous avais dit, on ne s'est pas baladé pour rien. 15 munitions de pistolet, c'est clairement pas négligeable pour le coup. Et là en plus, j'ai réussi à régler en fait, si vous voulez, petite partie technique, le temps qu'on se balade un petit peu. Je n'utilise pas la carte graphique pour enregistrer. Vous savez que je suis sur un PC portable. Mine de rien, le jeu tourne très très bien quoi, pour un PC portable. On est là pour bar. Ah putain, j'ai eu peur. Et pour le coup, il n'y a rien du tout ici. Oh, quelle tristesse. Il n'y a rien du tout. Et pour le coup, bah, il suffit que j'enregistre avec le processeur, comme ça, l'enregistrement ne bug pas, ne pixelise pas d'image quand il y a une ressource particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand d'un coup il y a beaucoup de lumière qui apparaissent que ça part un petit peu en cacahuète. Allez, on est parti, on arrête de raconter notre vie et ben on va s'occuper des liqueurs. Oh, j'aime pas ça. Bon, par contre, il y a des flics censés être vivants, hein. Vu qu'eux, ils viennent tout juste de tomber, ça va swinguer. Hein. Lui, vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez de lui? Tout le monde se souvient de lui? Un zombie. Lui, vous vous souvenez aussi de lui? Normalement, il peut pas tomber, là. Il peut pas tomber, parce qu'il tombe quand il y a... Leon. Oh. Dirait qu'il est parti. Très bien, ça. Oh, merde. Monsieur? J'ai totalement tiré à côté, quel plaisir. Encore tiré à côté. Voilà. Très bien. N'empêche, quel plaisir de revenir. Enfin, quel plaisir, oui et non. Hein. C'est quoi ce bruit? J'ai peur. J'ai peur. Ah oh, j'ai toujours peur. Oh là là, bah ouais, mais je les avais oubliés. Ouh, c'est un coup critique ça. Hein. Ah!
est bien. Il a bien mangé, ce monsieur, déjà. Il a encore faim. Hop, voilà, j'ai tiré à gauche, à droite. Eh ben, c'est des tirs de suppression. Se voir ici. Oh, il donne des gros coups, là. Ça, ça me plaît, ça. Ok. Très bien. Très, très bien. Je me souviens de cette salle. Fallait même passer par ici. Ok. Je me demande vraiment si dans Resident Evil 3, on revenait aussi dans le commissariat, je pense. Mais rien que pour ça, j'ai limite envie de le lancer. Histoire de voir... Oh, Sugoi, ça, par contre. De le lancer sur PS1. Histoire de voir un petit peu comment c'était. Ok, donc là, il n'y a rien. Ok. Munition de fusil d'assaut. Tyrell, tu me reçois? CAP. Apparemment, il y a un truc craignos ici. Je sais pas ce que c'est. Un truc craignos? Ok. Je vais jeter un œil avec les caméras. Fais gaffe. Ok. Locker room, CAP. C'est exactement le même mot de passe que Resident Evil 2. Est-ce qu'on va pouvoir le réouvrir? Je ne pense pas. Faut arrêter ça, hein. Ok, ok, on se casse. Oh. Oh. Vous êtes combien, les frérots? C'est bon? Oh. Allez, hein. Ok. Toujours avoir le plein de munitions sur soi, j'ai peur. Aïe, 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 aïe. Oh, je me souviens d'ici, bah oui. Ok. On va aller fouiller là-haut. Normalement, il peut rien m'arriver. J'ai une bonne assurance. De toute façon, ils vont pas m'enculer pour juste 10 balles de pistolet, quand même. Ils vont pas faire ça. Monsieur, faut rester à terre. Monsieur est gourmand, hein. Très bien. Ici, c'est fermé. Oh non. Oh, quel enfer. Ici, il y avait la petite énigme avec les casiers. Très bien. Je parle pas beaucoup. N'hésitez vraiment pas à aller voir Resident Evil 2 si vous n'avez pas vu mon let's play ou si vous n'avez pas joué au jeu. Arrêtez-vous là immédiatement et filez sur... Oh, Sugoi. Ok, quoi? Et filer sur Resident Evil 2. D'accord. Quoi? Monsieur est toujours aussi gourmand, les gars. Très bien. Oh, Jojo! Pour toi, Jojo! Cette vidéo, cet épisode t'est consacré. Ah, là, il y avait... Ah ouais, mais je me souviens pas du mot de passe, de toute façon. Je pense pas qu'on puisse ouvrir. Si, on peut ouvrir. Non, faut ressortir Resident Evil 2, les gars, là, vraiment, pour ouvrir ce coffre. Moi, je veux bien, hein, prochain épisode, on revient là. J'aurai le temps de voir un petit peu comment ça se passe chez McDonald's. Ok, rapport d'arrestation. Rodney Gray, sans emploi, fabricant et fabrication, pardon, et possession illégale d'explosifs. Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street. Le 18 septembre 1998, son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Le suspect a alors été arrêté à son domicile et perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales à différents stades de complétion ont été retrouvées chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence, il n'avait pas toute sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier, ce qui nous a obligés à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait des déclarations suivantes. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Pourquoi personne ne comprend? Les cadavres surgissent de l'ombre pour attaquer. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Il faut le faire exploser. Si vous ne voulez pas être sa victime, il faut plus d'explosifs.
ils arrivent bientôt. Il faut se dépêcher, brûlez leurs cadavres, brûlez-les pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser à nouveau un cri strident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et avons administré un sédatif au suspect. Note, en raison de l'état psychiatrique instable du suspect, son témoignage a changé plusieurs fois. Son délire a rendu tout dialogue impossible. Nous attendons actuellement les résultats sur son état de santé. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur lors de son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. Bon, c'était très long à lire. Ça, on peut pas l'ouvrir, c'était avec Leon. Ah bah, faut lui laisser quand même des trucs au bro, hein. Ok, des munitions de pistolet. Est-ce que c'est un petit raccourci ici, non? Ah non. Ah là là, faudrait... Je pense qu'il faut vraiment relancer, en fait. Il faut relancer Resident Evil 2, hein, pour certains codes, à mon avis. Hein. Attendez. Non, il faut relancer Resident Evil 2. Let's go. On continue notre petit bonhomme. Ça craint de devoir tirer sur les flics. De chemin. Bougez pas. On peut combiner ces deux-là. Je sais pas combien de temps on va jouer Carlos. Ah, là, il y avait une safe zone. Elle y est... Ok, elle y est toujours. J'ai trop peur. Ils sont malades ou quoi? Note interne. 22 septembre 1998. Avis de transfert de trois matériels. Coffre à trois chiffres résistant à la chaleur. Déplacé du bureau des Stars vers le bureau ouest. Combinaison. Ok. Gauche 9, droite 15, gauche 7. Gauche 9, droite 15, gauche 7. 9, 15, 7. 9, 15, 7. Oui, j'ai l'air totalement débile quand je retiens quelque chose. Et ça, c'est le plaisir d'offrir. Eh ben, on y va. 9, 15, 7, en partant par la gauche. Ça devrait le faire. Aucun souci à ce niveau-là. Est-ce que j'ai été un monstre? Est-ce qu'on parle du même coffre-fort? Normalement, c'est lui au premier étage. Parce que je rappelle que le mot rez-de-chaussée n'existe pas. 9, gauche. 9. 15. 7. Ah ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh là 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 ! Et ben voilà. C'est moi ou par contre c'est devenu beaucoup plus gris d'un coup ici là. L'ambiance elle est un petit peu très sombre. J'aime pas beaucoup ça. On a été monstrueux. On a été monstrueux. Bon, beaucoup de choses à récupérer. Et une petite save à faire aussi. Hop, ça on prend. Je sens que ça va swinguer là-haut. Hop, une plante, ça. Munition de fusil d'assaut, on prend. Est-ce que la caisse est la même entre notre ami Carlos et... Oh, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, 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 encore what? Un appareil photo. Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Oh! Ça vous rappelle rien, ça? Ah, oh, comment il s'appelle le jeu? Le jeu où on peut tuer avec un appareil photo? Ah! Oh, Projet Zéro. Projet Zéro. Et ben voilà. C'était le petit clin d'œil, je pense. Est-ce que le coffre est partagé? Pas du tout! Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va déposer ça. On va resave une petite fois, tout de même. Et direction l'étage du dessus. Je peux vous dire que ça va swinguer. Allez, go. Évidemment, bombardez-moi cette vidéo encore une fois de likes, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Si chaque épisode pouvait être en top tendance, je vous cache pas que... Oh là là, l'excitation serait à son comble. Carlos, le bureau du Stars est à cet étage. Compris. Ouais, ouais, mais moi je veux pas aller au bureau du Stars, moi en fait. Ok. Je me souviens. Une clé? Attends, 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 attends. Une clé plutôt usée. Permet d'ouvrir la porte de la salle des casiers. Ok. Ah, cap. Bougez pas. Non mais attendez, je suis beaucoup trop chaud là. Beaucoup trop chaud. On a essayé. On a essayé. Aucune déception. Très bien. Bon bah c'est pas cap.
Lui va se relever. Voilà. C'était sûr, c'était totalement sûr. Allez, bouffe-moi la gueule. Ouais, c'était évident, mais bénéfice du doute. Bénéfice du doute, je l'ai laissé. Oh, quelle vie de merde il a eu celui-ci. Incroyable. Monsieur, là vous êtes bien mort, hein. Bon, j'ai la clé pour ouvrir la salle des casiers juste derrière. C'est très très bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Ah ah, voilà, ça l'a pris. Ah ok, bon je suis pas encore... Ok, ouais. Oh la vache. Pas cool. Ok. Mince, c'est pas là. Dès j'entends des bruits suspects. Et dans suspect... ok. Tant des putains de bruits suspects. Allez, régalez-moi là. Régalez-moi. Oh, DCM. Très bien. Ah, désolé, réflexe. Ok, DCM. Bon, très très bien, très très bien. Ok. 1-0-4, 1-0-6, 1-0-9. Oh, c'est les mêmes énigmes. C'est les mêmes énigmes. 1-0-4. Oh, attendez. Non. Et là, vous croyez? Ah! Pas à moi, Zinedine, hein? Ok. 1-0-4, 1-0-6, 1-0-9. On va commencer. 1-0-4. Voilà. La pile. El famoso pile. 1-0-6. Des munitions. El famoso munitions. Et 1-0. Incroyable, hein. J'ai vraiment de la chance, hein, dans celui-ci, hein. Une grenade. C'est toujours plaisant, évidemment. Allez, go. Hop, la pile, ça tombe bien. On en avait besoin. Est-ce que si je fais ça... Oh, un petit coup de Trafalgar qui est passé là très vite. Munitions de fusil d'assaut. Et surtout, une grenade. Vu la puissance des grenades, je ne vous cache pas que j'en suis heureux. Quoique, en vrai, attendez. Soyons plus malins. Soyons plus malins qu'eux. Alors... très bien, il y a rien dans les 200. Même pas de 0-3, rien du tout. Ah bah de toute façon la touche 2 n'est pas accessible. Ok. On peut se casser. DCM, tout en haut, dernière. Ah ! Sérieusement. Il vient d'où celui-ci ? C'était le deuxième en haut, mais c'était sûr. DCM. C'est horrible. Là, ça fait 2 ou 3 screamers dans lesquels je tombe, là. Allez, hop, DCM, régale-moi. D. C. M. Ok. Oh, putain, attendez, je l'ai pris tellement vite que... je crois que c'est des munitions de pistolet, non? Il me semble que c'est des munitions de pistolet. Tout va très très vite, là. On sait qu'il y en a un juste en bas. Oh là là, le commissariat, c'était vraiment pire truc niveau ambiance. Hein. C'était assez terrible à ce niveau-là. Oh, fais chier. C'est quoi cette barricade? Mais c'est rien, t'inquiète mon pote, j'ai un raccourci. Oula. Ok. Moi, un ami. Hector, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas. Je t'en supplie. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté. Et je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe. Mais on n'a pas de pile pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer.
L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il faut pas que tu ouvres le casier. T'occupes pas de moi, essaye juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue et ami, Wes. PS, t'en fais pas pour les 600 dollars que je t'ai prêtés. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance, mon pote. Ah oui. Ok. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je te rejoins. Compris. Eh bien... CAP peut-être, non? Bougez pas. Est-ce que le move du joueur franco-taille... Oh là 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 là. Oh, cette vitesse d'exécution. Bon, 10 contre 1, c'est le même zombie que Resident ouais. Evil 2. Je préfère pas. Ah, et ça explique pourquoi il le laisse. Très, 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 très bien. Ok. Et donc, c'est nous qui avons fait ce trou-là par lequel on pouvait passer. Et ben voilà. Ok. Normalement, ça combiné à ça. Voilà. Ok. Bouge. Très bien. C'est donc nous qui avons fait ce trou là. Et je pense qu'on pourrait pas revenir en arrière. Même si on voudrait. Ah ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup plus d'action. Wow. Calmez-vous, messieurs, dames. Ok. Très bien. Je disais... Faites la queue, il y en aura pour tout le monde. Oh oui, mon pote. Ah non. Voilà. Oh putain. Oh la vache. C'est trop. C'est quoi ce délire? Merde, c'est dur d'avoir la côte. J'ai peur. J'ai pas entendu un mec se relever. Ok. On va prendre ces balles là. On a jamais trop. On coupe tout, hein. Hop, il a à moitié la gueule dans le bordel. Ok, ok. Peut-être un tout petit peu plus de... De munitions, quand même. C'est vraiment action, hein. C'est vraiment action, hein. C'est pas pour me déplaire, ça fait du bien, là. Ça fait très défouloir. Encore cette salope. Mais... C'est quoi ce bug? Attends. Allez! Oh. C'est terrible! Ok. Ça chicote, hein. Ok. On va garder le fusil d'assaut si ça vous gêne pas. Parce que là, les liqueurs... ça commence à bien faire. Ok. Et je crois qu'au bout c'était un cul-de-sac. Ah non, pas du tout, putain. Donc là on a le bureau des stars. Oh là là. Attends, faut pas que je fasse demi-tour. Demi-tour quand même. Ok. Ah ouais, c'est totalement fermé. Faudra que je fasse marche arrière. Ah, ça va être terrible. Quel plaisir! Je croyais que c'était une plante. Et là, il n'y a rien. Direction le bureau des stars. Docteur Bard. Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là, dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars,
Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution! Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies! Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici! Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider, c'est à Mikhail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Oh oui, mais toi tu te fais jamais chier, toi, hein. Tu restes sur ton ordinateur à chaque fois. Toi t'es expert ordinateur, hein. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Non, je trouve rien d'utile, mon frérot, hein. Je connais bien. Oh. Quand on donne des grenades comme ça. Attends, une armurerie, ça me parle, ça. Ça me parle. Allez, regarde. Mission, putain, sérieusement, quoi. On peut pas donner une arme un peu là pour le Carlos? Parce que devient du mec rico. On me déteste. Ok. Trousse de soins. Bah, bien sûr. La même que dans Resident Evil 2. Ouais, très bien. Déposer. Pas trop haut, ce bug, attendez. Attendez. Je reconnais ça. Regardez. Voilà. On a déjà... vous savez que j'adore hein, garder l'esprit. On a déjà deux soins, parce que je pense qu'on va en utiliser un dans pas longtemps. Encore, hein, c'est pas vrai. Et à force de me donner autant d'herbes, je vais finir par... hein. Vous avez compris, hein. Me laissez pas terminer. Bon. Ah, le bureau du capitaine. Le bureau du capitaine. Allez, rapport sur l'incident du manoir. Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et situé dans les montagnes Arklay. Le 23 juillet, l'équipe Bravo du Stars a été dépêchée dans les montagnes pour enquêter sur une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus donné signe de vie. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été envoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs. L'incident s'est conclu par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées. Seuls 5 membres du Stars ont survécu. L'origine de l'incident se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir. Le virus T, utilisé dans le cadre de ces expériences, s'est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. Donc en gros... Est-ce que c'est Jill au premier rang? Oh, ah oui, c'est Jill, hein. C'est Jill, je la reconnais. Attends. Je peux pas... Oh putain. Ok. Attends, il y a peut-être Jill ici, non? Non mais les gars, tu vas dans un comico en France, c'est des posters... Bah bref, on va rien dire, ça peut partir en couille. Mais mon frérot, moi je sais pas où aller, hein. T'es mignon, mais t'es mignon, quoi, hein. En plus, y a même pas de save ici. On va où? Quel est le but concret de notre vie? Pourquoi nous vivons? Pourquoi je ris? Pourquoi je meurs? Ouais, j'écoute. Ferraillé, y'a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Bart. Ah ouais, on a peur de rien, mon gars! Quelques minutes plus tôt, tunnel du métro. Très bien. On vit donc les deux histoires en parallèle. Allez, dès qu'on peut save, on met fin à cet épisode. Normalement, il n'y a pas eu d'image pixelisée. Non, t'es pas la seule. Il y a forcément l'autre connard, là. Je le déteste déjà, ce chien. Oh non, encore les égouts! Oh non, c'est terrible. Oh non, c'est terrible. Pas ça, Zinedine.
Longue porte, hein. Ouais, les Nemesis, il est forcément pas loin, en plus. Et ben voilà, on va pouvoir save. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Carlos ? Réponds. Carlos ? Ok, mine, c'est fait. What the fuck? Les mines, faut les poser au sol, je suppose. Comme toute bonne mine qui se respecte. Nouvelle arme pour l'UBCS. Bonne nouvelle, les couilles molles. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour lance-grenades. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de mes deux. Bon. Elles sont difficiles à dégoter et à utiliser, mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole de scout. Allez, on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lance-grenades standards, alors ne les mettez pas où je pense. Tirez contre un mur ou sur le sol et elles resteront sagement où vous les avez fixées. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et vous obtiendrez une mine terrestre. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies, alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. J'aurais pas honte, j'aurais aucune putain de honte. Ça va swinguer. Bon, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime, le gros j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis, très bel inventaire là de côté, on est très très bien. Honnêtement, on est en mode normal mais on s'en sort. Bien mieux, grâce à Resident Evil 2 qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Regardez comme le jeu est magnifique, et Gilles aussi est magnifique. Ciao, ciao.